Bonjour, je suis aujourd'hui au centre de Morvay-en-Bresse pour vous présenter cette maison qui est située à quelques dizaines de mètres de la maison médicale et du collège de Morvay-en-Bresse. Donc cette maison qui comporte un étage, comme vous allez le voir, un grand séjour. Cette maison a été réalisée il y a une vingtaine d'années de façon très très traditionnelle avec de la maçonnerie faite par un artisan local. Les menuiseries sont en bois double vitrage, bien sûr. Le chauffage par radiateur est raccordé sur le gaz de ville qui passe devant la maison, tout comme l'égout. Donc cette maison alimentée au gaz pour le chauffage et le tout à l'égout pour l'assainissement. Elle comporte également une cuisine intégrée avec ses appareils, le tout carrelé bien sûr. Les volets extérieurs, vous avez pu le voir lorsque je suis rentré, sont en bois. Au rez-de-chaussée, le petit coin sanitaire du rez-de-chaussée que je vous montre rapidement. Voilà, et une salle d'eau équipée d'une douche et d'un lavabo. Et puis à côté de cette salle d'eau, un très grand garage dans lequel, si vous le souhaitez, vous pourrez créer, et c'est le petit plus de cette maison, une chambre qui donnera directement sur le jardin et sur lequel vous pourrez raccorder cette salle d'eau. Et donc cette pièce pourrait devenir ce qu'on appelle de nos jours une suite parentale. Ensuite, à l'étage, je prends ce très bel escalier en bois massif qui est relativement facile à monter, comme vous pouvez le voir. Donc à l'étage, trois chambres en parquet, très beau parquet. Voilà, les chambres sont classiques, de très grandes dimensions. Voilà, celle-ci qui donne donc sur le centre de Morvelve. Pour ceux qui connaissent, vous reconnaîtrez facilement la place du marché, celui du mardi, et puis là-bas, tout au fond, la maison médicale que je montrerai également de l'autre chambre, ce qui peut être un plus, pas forcément de très agréable, mais malheureusement, comme tout le monde, un jour ou l'autre est amené à faire une visite. Voilà, celle-ci n'est pas très loin, je vous la montre à nouveau de l'autre chambre. Et puis le collège, les alentours, je profite pour vous montrer le petit chalet qui est dans le jardin pour ranger les outils, ce petit jardin. Donc la surface extérieure est de 370 mètres carrés environ. La maison, surface habitable, 90 mètres carrés environ. Donc au passage, donc le petit coin de toilette de l'étage et la salle de bain principale, donc avec sa baignoire et sa vasque. Donc n'hésitez pas à nous demander des informations. Il y a également un portail électrique, Digicode. Et cette maison, je vous le rappelle, est située au plein centre de Morvay-en-Bresse. Donc, peut vraiment convenir soit à des personnes âgées qui aménageraient une chambre en bois, mais également à une chambre avec des enfants, puisque les écoles et le collège sont vraiment à proximité. Donc, n'hésitez pas à appeler l'agence Orpi de Morvay-en-Bresse ou directement sur la ligne de Pierre au 07 63 59 85 90. Bonne visite à tous!